Alain Gaël, professeur d'espagnol, Académie de Lille. Sébastien Franck, professeur d'anglais, Académie de Lille. Et Romain Brodel-Chapuzot, enseignant de physique-chimie dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et toi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens faire à Écritech? Présenter comment on détourne les ceintures de compétences en langue vivante, parce qu'on a travaillé avec le collectif des ceintures, et on vient présenter comment on a réussi à intégrer le système des ceintures en langue vivante au collège et au lycée pour aider à des parcours différenciés, une évaluation différenciée. Et moi, je vais représenter l'équipe du jeu sérieux Survive on Mars, un jeu interdegré et interdisciplinaire. Oui, alors qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité? C'est quoi les plus-values? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien, quoi? Alors la plus-value, ben, c'est simple, nous c'est faire en sorte que les élèves jouent tout en travaillant ou travaillent tout en jouant, c'est comme on veut, avec un support numérique, des plateaux de jeu qui sont faits sur Geniali, et aussi l'aspect numérique sur la création des élèves, puisque les chefs-d'œuvre qu'ils vont pouvoir produire peuvent être numériques, avec des BD, avec des vidéos, avec des cartes mentales, enfin, plein de supports différents. Et alors pour nous, en fait, les ceintures nous permettent de mettre en place des parcours adaptés aux besoins de chacun, et le numérique nous sert vraiment d'outil pour favoriser le développement des compétences de chacun de nos élèves. Quelque chose à ajouter? Non, mais c'est parfait. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Allez, et serais-tu capable de dire ça? Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritech. Si ces chaussettes sont si chic, c'est pour être chouette à Écritech.